Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 10e déjà épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade Warband. Allez, on charge la partie. Donc, on était la dernière fois je sais plus si j'avais pris une quête. Ah oui, j'avais toujours mes 5 chevaliers chevaliers. Ah oui, j'avais pris la quête, une caravane de marchands à escorter vers Werberg, qui est dans le royaume des Nords, qui est... Wersher, pardon, qui est là-bas. C'est pas la porte à côté quand même. Bon. Bon bah allez, suis-moi. Ce que je vous propose, bah on va y aller en direction de Wersherg. Ce que je vous propose, on va faire un petit bout de chemin ensemble, voir s'il y a quelque chose. Et puis au bout d'un petit moment, je crois, dans quelques secondes, je vais couper la séquence et je vous retrouverai soit quand il y a quelque chose, soit quand on sera arrivé à Wersherg. Bon, tu me suis toi? Ça, j'ai pas trop vite pour lui non plus. J'ai toujours mes 3 prisonniers, il faudrait que je m'en occupe. Ils peuvent se tirer quand même. Hein. Ces possibilités qu'ils se tirent, ils le feront. Alors. Aussi que je surveille la ville. J'ai combien en argent? 3550. Ah oui, on avait vu que c'était pas assez. On avait vu que c'était pas assez. Bon. Il passe par où là? Ah, il passe par là. Je pense qu'il va faire ça. Ça va, tu suis? Ouais, ça va. Bon, vous savez quoi? Je coupe la séquence et puis je retrouve, bah... Ah, quoique. Et les bandits des forêts. Est-ce qu'on peut aller les choper? 4,8, 5,4. J'ai un peu peur de laisser... Ça va, je suis à peu près. 4,8. J'aimerais bien qu'il arrête de... tourner trop par la droite. Là il est dans la bonne direction, donc à la limite. Eh, arrête de tourner. Reviens là. Allez, on va se les faire. Là il y a 4 plus 3 là. Tout pourri. Allez, on va les tuer. On va faire un massacre. En plus c'est de la plaine, génial. Allons-y. Ouais, par contre partez pas trop devant moi hein. Alors, suivez-moi peut-être, mais partez pas trop devant moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon arbalète avec des méga carreaux. Mais par contre eh ben, elle se recharge pas sur un cheval. Faudrait que j'en change. Allez, venez là. Boum, 28. C'est pas mal, mais bon, je m'attendais quand même mieux. Ah! Tout une. Allez, un. Ah! Quelqu'un qui m'a touché. Du coup, j'ai été bien ralenti quand même. Hein. Boum. Eh, mais... Laissez mes potes tranquilles. Boum. 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 Non. Mais laisse-moi tranquille, toi. Alors, demandez de charger, parce que... Hein? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, raté. Je suis légèrement trop loin. Oh la vache, certaines fois, les contrôles sont pas faciles, hein. Ça c'est bon, il doit rester. Il est là. Il essaie de s'enfuir. Il va se faire défoncer. Ouais, bah par contre. On peut pas recharger, c'est vrai. J'ai rechargé mon arme à distance, mais c'est pas possible. Ça y est, ça c'est fait. Bon. Aucune perte. 17 tués. 8 blessés. Oh oh. Ça c'est de la capture de fou. Alors, on avait dit qu'on allait prendre un petit peu leurs équipements. Histoire de faire des sous. Truc qui se vendent, ça se vend bien. Mais après le reste, ça se vend pas trop non plus. On va laisser tomber. On va rejoindre notre caravane. Et on va continuer en direction de Wersherg. Une armée. Ah, 78. J'ai cru lire 8 à un moment. Non, c'était bien 78, j'ai eu peur. Il y a quelque chose. 13 plus 1. Ouais, non, ils vont pas dans la bonne direction. Ils vont pas dans la bonne direction. Allez, go, Wersherg. Bon, vous savez quoi? Je vais couper la séquence et puis je retrouve s'il y a quelque chose ou arriver à Wersherg. Allez, à tout de suite. Allez, je vous reprends. Alors, j'ai engagé sur la route de Wersherg. J'étais pas bien loin. J'ai engagé une bande de 15 pilleurs. Donc, je voulais pas non plus vous couper. C'est toujours cool, les combats. Ça va être très facile. C'est des pilleurs. C'est des types qui sont à moitié à poil. Dire, c'est pas des brigands d'Ymer ou carrément une armée ennemie. C'est rien du tout, là. J'ai même pas envie de leur dire de me suivre. Allez, on y va.
On tire au pifomètre. Oh, je l'ai eu quand même. Je l'ai quand même eu. Boum. Allez, c'est assez. C'est assez tranquille, de toute façon ça donne presque rien. Boum. Et regarde là toi. Voilà. Toi tu vas pas faire long feu mon pauvre. T'es au milieu de tous mes hommes d'armes et mes chevaliers là, c'est bon, laisse tomber. Ouah, ça aurait été bien joué ce coup des stocks. On a gagné. On a gagné. Bon. C'est pas mal ça. 14 tués, 1 blessé. Enfin capturé. Alors, qu'est-ce qui se vend bien? Ça, à la limite. Et encore. Il y a un fauchon, oui, pourquoi pas. Après, reste, ça c'est normal. Ouais, vous voyez, on est presque près de Wersherg. Ah, des soldats sont prêts à être promus. Fantassin en homme d'armes. Homme d'armes en chevalier. À combien? 4. On y est presque au bout. Tirailleur soignant. Ah bah, l'étrier. Voilà, nickel. Donc vous voyez, on est presque au bout, je pense que je vais pas recouper la séquence d'ici là. Ça suffit. On est presque arrivé. Je sais plus quel va être le nombre d'argent, enfin le reward qu'on va avoir. Quelle va être la somme d'argent, j'espère qu'elle va être assez grande, parce que j'en ai un peu marre de faire des missions toutes pourries, qui me font faire des allers-retours de fou. Alors, on arrive. Je prendrai une mission aussi à Wersherg. Ça devrait être intéressant, c'est une grande ville. Alors, t'es content, ça y est, t'es arrivé? Alors, 235 deniers, c'est pas mal. Renommée augmentée de 2, 1275 expérience, atteint niveau 12, et mon autre héros a atteint niveau 8. C'est super. Allez, on va faire ça tout de suite. Donc, est-ce que si je monte l'intelligence, on peut monter l'ingénierie? Eh ben non. Bon. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. On peut pas réinitialiser? Mercredi. Bon, on peut pas réinitialiser, c'est pas grave, de toute façon il faudra bien que je les mette dans des points d'intelligence un jour. Hein. Alors, on va mettre organisation d'inventaire, parce que je vais avoir besoin de plus en plus de place dans l'inventaire. Chirurgie, ça peut être sympa. Persuasion. Marchandage. Sans des blessures, on régène plus rapidement. On augmente l'arbalète, toujours, et le dernier point à l'arc. Allez, hop. Donc, visiter la taverne. Un marchand de livres. Ah oui, on peut lire. Je sais jamais trop su à quoi ça sert. Je crois que c'est pour se cultiver ou pouvoir parler à une dame après. Mais bon, comme je le fais pas. Donc, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. On va se promener dans la rue. Alors, attendez. Parce que là, du coup, il faudrait que je trouve le... maître de guilde. Et si je pouvais aller revendre l'arbalète aussi, ça serait sympathique. Le maître de guilde, je crois qu'il est là. Normalement. Et il n'est pas là. Vous savez quoi? À quitter, re-rentrer. Comme ça, on sera à cheval. Ah non, on n'est pas à cheval. Bon. C'est pas génial. Il faut vraiment que je change l'arbalète, hein. Ah, c'est pas toi le maître de guilde? Si. Nickel. Avez-vous un travail pour moi? Une mission, une caravane pour l'escorter à Suno. Bon, bah, c'est dans la direction de là où je viens. De là d'où je viens, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ok, alors. Rendre à la place du marché. Marchand d'armes. Je vais remplacer cette satanée arbalète. L'arbalète, j'en avais vu. Ici, arbalète de siège fendu. Impossible d'utiliser à d'autres chevaux, mais... ils sont pas foutus d'utiliser ça à d'autres chevaux ou quoi? Oh la vache. Impossible d'utiliser à d'autres chevaux. Et vite, je vais prendre un arc. Ça m'embêterait. J'aime bien l'arbalète. Mais le truc, c'est si je peux jamais recharger, bah, ça va pas être facile. Oh, ça m'embête. Bon, bah, je vais la garder, hein, vous savez quoi. Je perds rien pour l'instant, 31 en coût des stocks, c'est en quoi, en coût, et stock 26. Coût 39, ouh, l'estramaçon c'est... ah non, c'est à demain. J'ai vu que c'est à demain.
31-32. Ah, c'est pas mal, mais le prix, bordel, le prix. Oh, mon Dieu. On va essayer de vendre ça déjà. 49, 100, 179, 192, ouais, 215 deniers. Ouhouhou! Et il faut que je rachète de la nourriture. Génial! Ah la vache. Il me faut vraiment plus de nourriture. De... Vendez les articles que vous avez vendus avant de vendre celui-ci. Mais je veux pas vendre celui-ci! C'est quoi ce bordel? Je veux juste le déplacer dans mon inventaire. Oh. Je sais pas ce qu'il veut. On va prendre un chou. Allez. Perdu 121 denis. Ah là là, c'est dur. J'ai vraiment pas assez de pognon, hein. Alors, du coup, on va parler à cette caravane. Oui, je vais vous escorter, machin. Direction Suno. Si, si. Ah, ça va, c'est pas si loin que ça. Mais c'est vrai que ça commence à me casser un peu les pieds, ces balades de caravane là. Il voit quelle vitesse? 3-0, moi je vais à 3-1. Ouah, ça va. 5-1, 5-2. Ouais, pas si mal. Ah, je veux juste réorganiser l'inventaire parce qu'ils sont en train de taxer sur le chou. Commencez par taxer sur le pain d'abord. C'est le premier en haut qui commence à... Oui, il commence à prendre de la nourriture dessus. Bah vous savez quoi? Eh bah, je vais refaire la même chose, je vous coupe et je vous retrouve s'il y a quelque chose ou si j'arrive vers Suno. Allez hop, à tout de suite. Ça y est, on arrive. Bon, par contre, il y a du mal à suivre. Alors, il y a eu la solde hebdomadaire qui est tombée, enfin, le règlement hebdomadaire. J'ai perdu 238 deniers. C'est-à-dire que j'ai plus payé que ce que m'a rapporté Pagundour. Bah ouais. Et là, je viens de recevoir 176. C'est pas trop mal, mais je m'attendais à mieux. Alors, la taverne. Cavalerie, voyageur, machin, cavalier. Ah non, mais j'ai pas assez de tout, hein, de toute façon. Se promener dans les rues. Non, faut quitter d'abord. Parce que sinon, je le trouverai jamais. Quoique, attendez. Ah! Bon, vous savez quoi? Se promener dans les rues. À cheval, s'il vous plaît. Retrouvons ce satané maître de guilde. L'où y es-tu? Il est pas en haut, hein, je crois. Ah si, je crois qu'il est en haut. Je crois qu'il faut descendre et puis se taper la montée à pied. Proche, je sais jamais. Honnêtement, je sais vraiment jamais. Si, t'es là. Alors, t'as de travail pour moi? Une caravane. Attire! Oh, allez, va te faire fou. Non, je veux pas d'escorte de caravane. Ça commence à me casser les pieds. Est-ce qu'on peut pas aller à Praven? Qu'on trouvera du combat sur le chemin. En fait, ça m'embête de refaire de la caravane à chaque fois, quoi. Dire c'est un peu casse-pied, c'est long et ça sert pas à grand chose pour la ré... dire le reward est pas très important. Voilà. Alors, arrivons à Praven. Faudrait que je vende tous mes prisonniers à la noix là. Visiter la taverne. Ah, un piège, il y a des bandits. Où ça? T'es là? Attendez. Hop! Comment ça, je l'ai pas touché à cette distance? Ça lui est arrivé dessus. Boum. Et là, dans ta face. Boum. One shot. C'est bon? C'est fini? Non, c'est pas fini? Vous voulez encore? Impossible de partir. Bon, attendez. Pas déconner non plus, hein. Ah, il y en a encore un. Alors, recharge. Ouais, parce que ces arbalètes là. Tiens, rien là. Pouh! 33 points de dégâts. Dame! Dans ta face. Est-ce qu'il en reste? Non. Bon, bah voilà, j'ai 150 deniers, 80 points d'expérience. Donc, je disais, je voulais aller à la taverne et payer son contrat. Toi, t'es un héros. Toi, t'es bidule. Toi, t'es machin. Voyageur. Bah, y'a personne ou quoi? Alors, quelqu'un d'avoir une mission à confier? Le roi Arlos, oui, je sais. Sir Play, Sir Meltor. Bon. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors là, par contre, où est-ce qu'il est le...
Le maître de guilde. Je sais foutre pas. Il n'a pas l'air d'être là. Oh, je sais jamais. C'est affreux. Et j'aimerais bien vendre ces satanés bandits que j'ai sur dans mon groupe. Alors, ce qui serait pas par là. Ah si, il est là-haut. Il est là-haut, j'allais chercher. Allons-y. Je suis un peu menaçant quand même comme ça. Ah, j'ai tous vous tué. Alors allez, j'essaye de taper dans la roche, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que t'as un travail? Un des marchands d'ici cherche des bergers pour amener son bétail au marché de Rivacheg. Ah, c'est déjà un peu plus. Rivacheg sous 30 jours. Ok. Bon bah allons-y alors. Est-ce que c'est loin Rivacheg? Je crois pas. Hein. C'est où Rivacheg? Où est-ce que c'est? Ah si, c'est loin quand même. Ah ouais. Sous 30 jours. Ah, Sir Clarkus vous informe que les seigneurs de royaume de Swadia se réuniront pour un banquet dans la salle, machin, de Suno. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un tournoi à Suno. Ah oui, mais c'est le tournoi... les tournois à cheval. Et comme je suis une grosse bouse... Je vais regarder l'inventaire. Bon, ça va. On va faire ça avant que le pain ne pourrisse. Ah là là. Bon, bah du coup, direction Rivacheg, hein. Vous savez quoi? On va couper la séquence et je vais vous retrouver encore une fois s'il y a quelque chose ou quand je serai arrivé. Allez, à tout de suite. Bon, bah je suis un boulet. Un gros boulet. Je viens d'échouer la quête tout simplement parce qu'il semblerait que je crois que j'ai oublié le bétail en partant de Praven. Quel idiot. Ah ça c'est con. C'est super idiot. D'ailleurs la quête vient d'échouer là, sous mon nez. Mais je crois que j'ai juste oublié le bétail en partant quoi. Ah, oh, c'est super idiot, quoi. Ah, mon dieu. Ah, oh, c'est... Ah, c'est juste idiot, quoi. Je veux dire, c'était une bonne... c'était un bon reward de quête pour une fois, 520, et c'était pas non plus la mer à boire d'aller là-bas, quoi. Le bétail doit être... à côté. Je veux dire, il n'y a pas d'autre truc, parce que... J'étais pas non plus... Je venais de partir, il m'avait dit 30 jours. Ah, j'avais le temps, quoi. On va aller voir. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille reparler au maître de guilde pour l'explication. Mais t'es pas foutu de monter des escaliers, toi. Oh mon dieu. Il n'y a que dans les films que les chevaux sont capables de monter des escaliers. Mais merde, c'est pas par là, en plus. Quel abruti. Eh ben, dis donc, plus ça va, plus... Moi, ça va, hein, ce soir. Ah là là. Allez, poussez-vous ou je tape. Je crois que tu peux monter ces escaliers-là en plus. Mais ouais, en plus. Mais qu'est-ce que t'es idiot, quoi. Alors, parlez au maître de guilde. Excuse, j'ai été... Je t'ai attaqué sur la route. Non, 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 je n'ai pas envie de vous payer mille deniers. Oh mon dieu. Oh, vous allez vous faire foutre, hein. 1000 deniers, bah je vous payerai quand je pourrai, quoi. Et là, pour l'instant, 1000 deniers, je peux pas les sortir de ma poche comme ça, hein. Complètement taré. Non, je veux pas non plus attendre. Bon, je vais plutôt aller à Sudo et je vais essayer de faire ce satané tournoi. Même si je le sens pas du tout. Oh la vache, oh je suis dégoûté, je comptais gagner 520 et me voilà que je me retrouve avec 1000 deniers et plus sur le dos, quoi. Oh, c'est bête. C'est idiot, tout simplement. Je veux dire, là, pour le coup, je peux pas me chercher. Ah, des déserteurs. Allez, on va essayer de se les faire. Vous me fuyez. Sauf que vous avez plus vite que moi. Merde. C'est dommage. J'aurais bien aimé me confronter à vous. Vous avez pas envie. Eh ben, allons-y. Ouh, il y a du monde ici. Oh, la vache. Se rendre au château. Ah, il y a des dames ici. Ah bah ça fait 20 minutes. Bon bah je pense que le tournoi sera pour le prochain épisode.
Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour cette bourde de fin d'épisode. C'est vraiment un peu dommage et idiot de ma part. J'espère en tout cas que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à poster des commentaires dans la vidéo juste en dessous. Et puis voilà. Et ben à la prochaine, salut à tous!